Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Alors on est aujourd'hui le lundi 12 février 2024, on est en direct sur Canal Algérie, il est 10h30, on est ensemble jusqu'à 11h30. Et aujourd'hui dans l'émission, nous parlons d'une activité que tout le monde pratique, une activité vitale, on parle du sommeil. Eh oui, le thème du jour, les troubles du sommeil. Et ben nous passons presque un tiers de notre vie à dormir, une activité qui unit l'humanité de manière aussi variée que les étoiles dans le ciel. Pourquoi certains d'entre nous ont du mal à dormir alors que d'autres s'endorment aussitôt allongés? Quelles sont les conséquences d'un mauvais sommeil sur la santé? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Et si vous avez des questions, si vous voulez témoigner, une seule chose à faire, nous appelez au numéro qui s'inscrit en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dr Fatma Zohra Ladami. Vous êtes pneumologue, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Avec nous aussi Madame Kenza Benbrahim, vous êtes psychologue, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors on parle du sommeil, alors en quoi le sommeil joue-t-il un rôle crucial dans notre vie au quotidien, tant sur le plan physique que mental? Docteur. Bien écoutez, le sommeil, comme vous l'avez dit, c'est une fonction vitale pour l'équilibre de l'individu. C'est une fonction qui est tout aussi importante que respirer, que manger. Et ça permet justement de récupérer, de régénérer et puis d'avoir un bon système immunitaire. Et Dieu sait quelles autres fonctions vitales. Oui, et c'est bon aussi pour le moral, dormir. Oui, bien sûr, il est très très bon pour le moral. Pour bien se reposer et pour recommencer une autre journée en forme et pour bien commencer le travail. Et, ou bien... C'est vrai qu'avec une nuit perturbée, le matin on a du mal à sourire déjà. Oui. Et on est plus à fleur de peau et plus susceptible de faire, De faire des efforts ou bien ça de faire quoi que ce soit. Ça peut être dangereux aussi. Hein. Oui. Une mauvaise nuit de sommeil, ça peut être dangereux. Hein. Justement, Ramadan, c'est pour bientôt et on souffre souvent du sommeil pendant Ramadan parce qu'on aime bien profiter de la soirée. Et du coup, on somnole au volant, et ce qui peut être très dangereux, pour la santé. En fait, Ramadan, on chamboule complètement notre cycle quotidien. Vous avez le cycle jour-nuit qui est complètement chamboulé parce que certains iront au Tarawih, parce qu'on aime bien veiller en famille, parce qu'il y a le sahur, etc. Donc le nombre d'heures physiologiques normales qu'on doit avoir, on ne l'a pas. Exactement. Et ça se répercute les lendemains. Exactement. Surtout le mois de Ramadan, mais on y reviendra pendant le mois de Ramadan. On va en parler aussi du sommeil pendant le mois de Ramadan, parce que bien sûr, votre émission Ma famille, ma vie vous accompagne pendant le mois de Ramadan. Alors on parle justement du temps à dormir. Combien de temps on devrait dormir? Parce que souvent on lit, oui, il faut dormir 6 à 7, voire 8 heures par nuit. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Qu'est-ce qui est recommandé? En fait, c'est une question extrêmement pertinente et auquel les scientifiques se sont beaucoup creusé la tête pour pouvoir y répondre. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, il y a des variabilités individuelles. On ne dort pas de la même façon aujourd'hui, hier, etc. Donc, tout dépend des facteurs environnementaux. Et puis après, effectivement, il y a une moyenne qui parle de 7h30 à 8h de sommeil par jour. Cependant, sachez que physiologiquement parlant, vous allez avoir des petits dormeurs, des gros dormeurs qui vont avoir besoin plus de 8 heures. Vous allez avoir les lève-tôt, les couches-tard, c'est comme ça, c'est physiologique. D'accord, donc est-ce qu'on peut, on va dire, on peut calculer un petit peu si on est petit ou grand dormeur? Comment on fait pour savoir si on est petit ou grand dormeur? Vous allez avoir une personne qui va dormir 4 heures par nuitée et qui va se réveiller extrêmement fraîche, donc avec toutes ses capacités mentales, prêtes à... Voilà, donc vous avez des gens qui se réveillent par exemple à la prière du matin et qui à partir de là ne se rendorment pas et qui passent une excellente journée. C'est des petits dormeurs. D'accord. Vous en avez qui vont se réveiller plutôt vers 10 heures du matin, tranquillement, et qui auront vraiment, ils vont vous dire, voilà, avec mes 10 heures de sommeil, j'ai eu ce qu'il me faut. Mais bon, c'est anecdotique. Hein. D'accord. C'est pas une... Oui, mais... Ça dépend le profil de la personne aussi. Voilà. D'accord. Donc, ça dépend comment il est réglé. D'accord. On peut dire que c'est génétique aussi? Ça pourrait, oui. Il y a une implication du système génétique dans la régulation et l'architecture du sommeil. Oui. D'accord. Donc, un grand dormeur aura comme enfant un grand dormeur. Pas forcément, parce que vous savez, dans cette fonction vitale qu'est le sommeil, tout comme les autres fonctions, par exemple, vous allez avoir l'implication de la génétique, de ce qu'on rapporte, le soi, et vous allez aussi avoir l'implication très importante de l'environnement.
De nos habitudes. De nos habitudes, de la journée stressante qu'on a eue, peut-être de la cigarette que le sujet a pris et qui a retardé son endormissement, etc. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut s'éduquer justement à devenir un petit dormeur, un peu avoir une hygiène de vie qui va faire, bon, il y a beaucoup de personnes qui se disent, oui, je ne veux pas perdre mon temps à dormir. Il faut dire que le dormir, c'est important, c'est vital, c'est pas une perte de temps, au contraire, c'est bon pour pas la santé. Tout, oui. Mais est-ce qu'on peut s'éduquer à dormir moins? Est-ce qu'il est bénéfique de le faire? Moi, non. Je pense vraiment qu'il faut savoir, et pour toute chose, écouter son corps. D'accord. Donc, si votre corps vous dit que vous avez besoin de 7 heures de sommeil et qu'effectivement, vous êtes un manager, vous avez besoin de temps, vous avez des projets à réaliser, je pense que quand même, le plus important dans tout ça, c'est la santé de l'individu. Donc, écoute, être à l'écoute de son corps et respecter les besoins que nous pouvons avoir. Très bien. Alors, ce qui peut perturber aussi le sommeil, c'est l'apnée du sommeil. Oui. Et ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage. Notre journaliste Yanis Ait Belkacem qui nous parle de l'apnée du sommeil. On va développer ça juste après le reportage. L'apnée du sommeil est un trouble complexe caractérisé par des interruptions respiratoires récurrentes comme des renflements forts et des réveils fréquents. Ces symptômes peuvent être déclenchés par des facteurs tels qu'une obstruction des voies respiratoires due au relâchement excessif des tissus de la gorge pendant le sommeil, avec des influences potentielles comme l'obésité, la structure anatomique et les antécédents familiaux. Le sommeil, c'est quelque chose de vital pour l'être humain. Et s'il y a des apnées du sommeil, ce sommeil va être complètement déstructuré. Le malade ou l'être vivant ne va plus avoir une phase de récupération normale, ce qui fait que le malade va se réveiller le matin comme s'il n'avait pas dormi ou très mal dormi, fatigué, épuisé. Laissez-moi tout, donc c'est un pareil. Pour mieux comprendre la détection de l'apnée du sommeil, l'étape cruciale est la réalisation de la polysomnographie. Vous devez bien serrer monsieur pour qu'elle ne bouge pas tout au long de votre sommeil. Donc le capteur il se met sur le pouce généralement. On doit bien expliquer au malade qu'il ne doit pas être retiré durant la nuit. Parce que s'il est retiré, donc l'enregistrement n'aura aucune valeur. Avec le chercheur, on en aura pas besoin. Et il y a le capteur pour le flux nasal et le flux buccal. Donc on est en présence d'un patient qui présente une fibrose pulmonaire qui est connue pour être prédisposante pour les pathologies du sommeil. Donc il va bénéficier d'un enregistrement du sommeil, d'une polygraphie du sommeil qui est connue. Donc la pathologie du sommeil, elle est connue pour être fréquente chez les patients qui présentent une fibrose pulmonaire. Cette procédure enregistre divers paramètres, notamment les cycles de sommeil et la respiration, donnant ainsi aux professionnels de la santé la capacité de repérer les interruptions respiratoires caractéristiques liées à l'apnée du sommeil. Donc, on dispose d'un logiciel qui est installé sur PC qui va nous lire l'enregistrement fait durant les 6 heures minimum de la nuit. Ensuite, le logiciel va lui-même calculer le score du malade et nous dire s'il s'agit d'une apnée de sommeil sévère, modérée ou bien légère, ou bien si tout simplement il ne présente pas d'apnée de sommeil. Scania avec une injection. Si l'apnée du sommeil est confirmée, le plan de traitement peut être diversifié. Des ajustements de style de vie, comme la perte de poids, peuvent être recommandés. Pour traiter cette pathologie, il faut apprécier sa sévérité. On les classe en 3 stades, en syndrome d'apnée du sommeil modéré, léger et sévère. Il y a certaines mesures qu'il faut prendre, notamment des mesures hygiéno-diététiques. Si c'est un obèse, il faut lui proposer un régime ou une prise en charge de son obésité. Et si c'est des malades qui ont des problèmes de santé, comme je vous l'ai cité au départ, l'hypertension, le diabète, les problèmes de dysthyroïdie, ben, il va falloir les traiter. Et quand on les traite, on peut améliorer déjà cet index pour essayer de voir si l'index a diminué, si ça marche l'iBelk, sinon on peut proposer cet enregistrement, cet appareil qui est l'appareil qui permet de donner une pression de l'air positive en continu, c'est la PPC, et généralement ça donne de très bons résultats et ça améliore de façon spectaculaire la qualité de vie de ces malades. Il est essentiel de noter que l'apnée du sommeil n'est pas dénuée de conséquences avec des risques potentiels tels que les maladies cardiaques et le diabète qui seront examinés en détail. Quelqu'un
qui n'a pas ces facteurs, il peut faire une apnée du sommeil. D'ailleurs, ce n'est pas une obligation de retrouver une hypertension ou un diabète, par exemple, chez ces patients qui font de l'apnée du sommeil. Mais par contre, quelqu'un qui fait une apnée du sommeil peut développer un diabète, peut développer une hypertension, peut faire des accidents vasculaires cérébraux, peut faire des problèmes cardiaques, peut faire des morts subites, malheureusement. C'est exceptionnel, mais ça peut se voir. Pour traiter l'apnée du sommeil, plusieurs solutions sont disponibles selon le cas de chaque patient, d'où l'importance d'une consultation. Ouais, d'où l'importance d'une consultation, mais il faut d'abord se rendre compte qu'on fait un apnée du sommeil. Et ce n'est pas forcément l'individu qui le fait qui s'en rend compte en premier. Non, pas toujours. En fait, trois cas de figure peuvent se présenter. Le premier cas où c'est le patient qui va se sentir extrêmement fatigué lors de ses réveils et de façon régulière et répétée. Donc c'est un patient qui sentira le besoin de consulter déjà un médecin généraliste qui devra être sensibilisé à l'apnée du sommeil, y penser et pourquoi pas adresser le patient à un référent. Deuxième cas de figure, et c'est très souvent le cas, vous allez voir que le patient vient avec sa femme en consultation et c'est la femme qui va dire « Oh mon Dieu, docteur, trouvez-moi une solution parce qu'avec les renflements, c'est pas possible. » Mais on a toujours pensé que ceux qui ronflaient, c'était eux qui dormaient le mieux. Ils dorment tellement profondément qu'ils sont en train de ronfler, n'est-ce pas ? Figurez-vous que c'est pas toujours le cas. C'est un symptôme qui peut ne pas être constant, mais le ronflement est très fréquemment retrouvé. Ce n'est pas le seul symptôme, il doit s'associer à ce qu'on appelle une hypersomnie diurne. D'accord. C'est-à-dire que le malade doit ressentir une fatigue, une petite somnolence pendant la journée, pendant ses activités habituelles. D'accord. Troisième cas de figure, eh bien, c'est un patient qu'on va nous conférer par un autre spécialiste, un patient qui a des antécédents d'infarctus du myocarde, d'insuffisance coronaire, des AVC, et qui va être adressé parce qu'il est un petit peu obèse, parce qu'il a des renflements, et chez qui il faudra prospecter et rechercher un apnée du sommeil. Très bien. Alors, on parle aujourd'hui du sommeil. Donc, si vous avez des questions, donc on parle de l'apnée du sommeil, toutes les pathologies en lien avec le sommeil, l'insomnie aussi, on va développer ça. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez témoigner, une seule chose à faire, c'est composer le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Je tiens une petite parenthèse parce que c'est un excellent reportage et que je regarde avec nostalgie parce que c'est l'équipe médicale dans laquelle où je travaille et que je tiens à saluer, hein, grands et petits. Justement, on parle de l'apnée du sommeil. Est-ce que c'est héréditaire, l'apnée du sommeil? Si le papa ou la maman souffre d'apnée du sommeil, est-ce que les enfants peuvent aussi hériter ça de leurs parents, de grands-parents? On parle d'une petite composante génétique, mais ce n'est pas du tout en ligne de compte. Hein. C'est pas une pathologie qui est héréditaire, c'est une pathologie qui est plutôt en rapport avec une modification des voies aériennes supérieures, avec un relâchement musculaire, et c'est pour ça d'ailleurs que ça augmente, que la fréquence augmente avec l'âge ou lors de la ménopause, puisqu'on retrouve ce relâchement des muscles pharyngés. Et donc l'hérédité n'intervient que pour très très peu dans la genèse de cette pathologie. Donc on a vu les signes, les symptômes justement de l'apnée du sommeil. Est-ce que ça se traite et comment ça se traite? Alors déjà, encore faudrait-il diagnostiquer cette pathologie. C'est un sujet qui est actuellement à la mode, mais ça fait quelques années. Il est fort probable que la prévalence, l'incidence ait été aussi importante, mais c'est une pathologie qu'on ne cherchait pas forcément. Donc maintenant, les médecins généralistes, les spécialistes sont plus sensibilisés à la pathologie. Donc il y a effectivement donc, l'hypersomnie diurne. Il y a justement les symptômes associés, comme les renflements, comme par exemple les micro-réveils pendant la nuit. Les réveils où on se réveille en sursaut Alors ça dépend, soit c'est des réveils en sursaut, soit c'est un patient qui est obligé de se réveiller parce que l'apnée a fait que. Le problème majeur de cette apnée, c'est quoi? C'est qu'il y a une obstruction des voies aériennes supérieures qui fait que le taux d'oxygène dans le sang diminue. Et il diminue de façon importante dans tout l'organisme. Les organes les plus touchés sont les organes sensibles, à savoir le cerveau, et ça peut entraîner des AVC, le cœur, et ça va entraîner toutes les pathologies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle, les insuffisances coronaires, l'infarctus du myocarde. Et comme l'a dit mon collègue dans votre reportage, de façon assez rare, la mort subite. Donc,
Une fois que le patient a consulté son médecin généraliste, soit il connaît la pathologie, soit il réfère à un spécialiste pneumologue qui connaît lui-même la pathologie. Et à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un enregistrement du sommeil. Ce qu'on a vu dans le reportage. Tout à fait. Oui. Donc c'est soit une polygraphie, soit on peut aller de première intention, soit aller vers le gold standard qui est la polysomnographie avec des capteurs cérébraux, etc. D'accord. Une fois que le diagnostic est posé, bien sûr, il y a des scores cliniques aussi. Alors, justement, quand on fait cet examen, oui. cet examen se fait en journée, en nuit, c'est Alors, à l'hôpital, dépend. C'est à la maison. Ça dépend. C'est un examen qui peut se faire, le patient peut consulter d'abord et ensuite il bénéficiera d'un enregistrement. Soit qu'on a la possibilité, qu'on a un laboratoire du sommeil au niveau du service et qu'à ce moment-là, on peut hospitaliser le patient pour lui faire un enregistrement D'accord. nocturne. Soit c'est un examen qu'on peut faire à titre externe, c'est un malade chez qui on va placer l'appareil et qui va rentrer chez lui, continuer son activité régulière et s'endormir en toute tranquillité D'accord. pendant toute une nuit. Donc le malade revient le lendemain et on s'occupe de récupérer les données et d'interpréter les résultats. D'accord. Ceci nous permet un diagnostic de certitude de l'apnée du sommeil. On calcule ce qu'on appelle le score d'apnée-hypopnée et c'est grâce à ça qu'on a un diagnostic de certitude. Et justement, l'apnée intervient à quel moment du sommeil ? Alors, tout dépend. Tout dépend. En fait, c'est des épisodes récurrents. Très souvent, c'est pendant le sommeil profond. Mais D'accord. nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre d'apnées qu'il y a. Le nombre d'apnées ou le nombre d'hypopnées. Parce que ce n'est pas toujours des apnées conséquentes. Vous allez avoir des hypopnées, mais ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir aussi une désaturation. Donc, une diminution du taux de l'oxygène dans le sang. Et c'est ça qui est délétère, c'est ça qui est dangereux. Donc, on va identifier ces événements, qu'on appelle événements, sur toute une nuit, et lorsqu'on a un certain nombre, non seulement on pose un diagnostic de certitude, mais en plus on va plus loin, on fait un diagnostic de sévérité. Est-ce que c'est une apnée légère, modérée ou sévère ? Fort heureusement, le pourcentage des apnées sévères, il est autour de 5%. Ça reste quand même le moins fréquent. D'accord. Les armes thérapeutiques, elles sont multiples, mais c'est d'abord et avant tout la mise en place de règles hygiéno-diététiques, d'une hygiène du sommeil. D'accord. C'est un patient chez qui, donc, quand on a une augmentation de l'indice de masse corporelle, donc un patient qui est en surcharge ou qui présente une obésité, eh bien, on va essayer de lui demander de réduire un petit peu le poids. Et parfois, c'est très efficace pour les apnées légères. Ça peut donner de très bons résultats. On peut obtenir une rémission, voire une guérison. Donc, c'est un patient chez qui on va demander de développer un automatisme, un rite pour le sommeil. Diminuer les lumières, ne pas toucher se stimuler par les écrans, éviter les excitants. Avant de dormir. Voilà, donc excitants comme le café, le thé, tout ce qui est tabac, les toxicomanies. Donc, on va lui demander d'éviter tout ça avant l'endormissement. Et puis ensuite, donc c'est l'installation de ces rituels. Lorsque ces mécanismes-là ne fonctionnent pas, on peut aller vers autre chose, qui est donc par exemple, donc c'est un petit appareil qu'on va placer chez le patient et qui va dormir avec, oui, et qui va donner une pression positive continue qui va nous permettre de réguler, D'accord. de modifier ces apnées du sommeil. Ça, c'est un peu gênant justement de dormir avec un appareil sur la bouche. C'est pour ça qu'on travaille en collaboration avec les prestataires pour qu'on puisse trouver le masque adapté, l'appareil adapté au patient. Pourquoi pas la meilleure position pour le patient. Donc c'est des conseils qu'on va donner au patient pour qu'il puisse adhérer à ce traitement. Mais sachez que même si c'est désagréable, les risques de l'apnée du sommeil sont beaucoup plus important que la nuisance qui peut être apportée. Mais justement, et l'anxiété, le stress dans tout ça, est-ce qu'il augmente le risque d'apnée, quand on souffre déjà d'apnée du sommeil, que ce soit léger ou pas, quand on passe une journée stressante, une période stressante, anxieuse, est-ce que ça a un rôle justement sur la fréquence des crises ? En fait, c'est un cercle vicieux. Oui. Je donne l'exemple de la dépression. La dépression peut être une cause comme elle peut être un symptôme de l'apnée du sommeil. D'accord. Un patient qui a une dépression, vous allez explorer, vous allez trouver qu'il y a en sous-jacent un syndrome d'apnée du sommeil. Voilà. D'accord. Donc, la prise en charge psychologique, elle est vraiment importante pour ces malades-là. Et justement, on parle de l'anxiété et de la dépression, ce qui peut aussi engendrer des insomnies.
Oui. Des insomnies, il y a plusieurs types d'insomnies justement, et je voulais savoir quelle est la différence, ou est-ce que c'est une insomnie quand on a du mal à s'endormir, ou est-ce que c'est une insomnie quand on se réveille la nuit? Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à s'endormir, mais qui finissent par s'endormir. Oui. Et d'autres qui se réveillent la nuit. D'accord. Tout d'abord, pour dire que c'est insomnie, il est pathologique, il faut que la personne ne dorme pas 3 jours dans la semaine. D'accord. Pendant 3 mois. D'accord. Quand c'est une insomnie pathologique, donc oui. 3 jours d'affilée ou 3 jours... Ça se peut être 3 jours d'affilée et ça se peut 3 jours pendant la semaine. D'accord. Donc, quand il y a 3 jours pendant la semaine d'insomnie plus de 3 mois, donc on peut dire que c'est une insomnie pathologique. D'accord. Après, il y a 2 types d'insomnie. L'insomnie primaire et l'insomnie secondaire. D'accord. L'insomnie secondaire, c'est tout ce qui est... tout ce qu'elle a dit, le docteur, quand on a un trouble oui. qui cause l'insomnie. D'accord. Mais le primaire, c'est nous qui cause l'insomnie. C'est à trop réfléchir au sommeil voilà. en se disant je ne vais pas arriver à dormir ou il faut que je dorme à ce moment-là, on n'arrive pas à dormir. Et c'est ça. D'accord. Donc, quand on fait l'association entre le lit et le réfléchi, donc quand là, on commence trop à réfléchir au sommeil, quand on se met, parce que souvent on se met un petit peu la pression, on se dit oui. demain je dois me lever tôt, il y a une longue journée qui m'attend, donc on se met au lit, oui. je vais me mettre au lit à 9h du soir, et puis là on commence à cogiter, et c'est là où donc, c'est... Dans l'insomnie primaire, ouais. il y a deux facteurs. D'accord. Le premier facteur, c'est on fait l'association entre le lit et le sommeil. Oui. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, on est dans le lit et on réfléchit ce qui s'est passé dans la journée, ou bien il y a un problème, il faut le régler. D'accord. Donc là, le cerveau, il va associer le lit avec le réfléchi, comment avec régler. Le fait de ressasser tout ce qui voilà. s'est passé pendant la journée. Donc là, on va demander au patient de ne pas rester dans le lit et réfléchir pour régler les problèmes. D'accord. Moi, je pense que l'insomniaque a peur d'aller au lit. Ça lui fait peur de voilà. Parce qu'il sait qu'il va, parce qu'il oui, sait oui. qu'il va pas oui. dormir, il va rester à réfléchir toute la nuit. Oui. Et le deuxième facteur, c'est que on précipite les problèmes. Donc, d'accord. on est bien, il est 2h du matin, ah, je vais me lever tôt. Donc, je ne vais pas pouvoir me lever le matin, oui. il y a une panique. Donc, je ne peux pas dormir. Il y a beaucoup de personnes qui se disent vers 2h, 3h du matin, bon, 2h, 3h du matin, même si je m'endors maintenant, ça ne sert à rien, je ne pourrais peut-être voilà. pas me lever, donc autant faire une nuit voilà. blanche. Donc, il y a trop on réfléchit trop, oui, on réfléchit sommeil, trop, oui. donc on ne dort pas. Mais oui. il faut dire quand même qu'une petite insomnie de temps en temps, ce n'est pas non plus dans le pathologique. Oui, moi, oui, j'ai fait une insomnie ça. Avant de venir chez vous. Hein. Donc ça, c'est peut être normal. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut ne pas dormir 3 jours pendant 3 mois. Donc oui, c'est oui, pas, oui, tout à fait. C'est pas une seule journée, donc, oui. c'est une nuit... Normal. Donc 3 jours pendant 3 jours chaque semaine, semaine. Oui. pendant 3 mois à ce moment-là, il faut consulter. Il faut consulter, il D'accord. faut voir qu'est-ce qui se passe. Quelles sont les solutions justement pour un peu vaincre cette insomnie, pour un peu bon, il y a les somnifères, on va en parler après. Oui. Il y a aussi la phytothérapie qui oui. pourrait être intéressante. Oui. Est-ce que la phytothérapie est vraiment intéressante ou est-ce que c'est plutôt un effet placebo? Moi je, oui. dirais que c'est, moi, je dirais que c'est, franchement, c'est... moi, je dirais que c'est un petit peu les deux. Quand vous, dans la phytothérapie, vous oui. avez l'exemple de la mélatonine oui. qui est produite oui. industriellement oui. et qui, en réalité, est synthétisée par notre organisme qui aide l'endormissement du sujet. Donc, c'est une hormone, c'est ce qu'on appelle l'hormone du sommeil. C'est oui. une hormone qui est synthétisée au niveau du cerveau par l'hypophyse. Et c'est une hormone qui aide à l'endormissement, le relâchement musculaire. Oui. Et donc, on a les pharmaceutiques ont réfléchi, ils ont créé de la mélatonine en comprimé. Ma foi, ça dépend du patient chez qui vous la prescrivez. Mais effectivement, moi, j'ai eu pas mal de patients chez qui ça donnait d'excellents résultats. D'accord. Donc, effet placebo et effet quand même pharmacologique aussi voilà, associé. Hein. Elle a deux effets. voilà, on parle aussi de la tisane à la camomille, oui, ce oui. genre de les choses. Les vieilles donc, remèdes de grand-mère, c'est toujours oui, bon. C'est hein. toujours bon de prendre ça avant de dormir. Voilà. Ça peut toujours rassurer. Ça peut aider. Un verre de lait chaud. Oui. Pour elle certaines peut personnes, aider. Ça peut aider. Elle ça peut aider, mais... Voilà. Ça nous met un peu dans l'ambiance et ça nous rassure ça aussi. Ça nous rassure, c'est mmh. surtout oui. ça. C'est sûr. Ouais. Et puis les somnifères. À ce moment-là, c'est autre chose. Déjà, pour avoir des somnifères, il faut déjà une consultation chez un... Oui. C'est chez un psychiatre. Psychiatre, voilà. Oui.
Donc c'est ça, les somnifères, pour les insomnies secondaires, oui. Parce qu'il y a un trouble qui ramène une dépression, de l'anxiété ou autre l'angoisse, les attaques de panique dans la vie, le deuil, Les traumas, les chocs émotionnels, tout ça. Mais quand il y a un problème ou une insomnie primaire, il ne va pas faire l'affaire. Donc ça ne va pas aider à grand chose. Il ne va pas servir à grand chose. C'est l'accompagnement psychologique du patient qui est très très important. Oui. Il est plus efficace que les somnifères. Les thérapies cognitives, cognitivo-comportementales, vraiment l'apport psychologique. Et entourer le patient par des mécanismes autres que pas forcément médicamenteux, somnifères et autres. L'hypnothérapie aussi peut aider. Elle aide les patients pour mieux dormir. Exactement. Les relaxations. Oui, pour lâcher prise un petit peu, parce qu'on a du mal. Surtout avant de dormir. Cette expression est un petit peu à la mode ces derniers temps. Il faut lâcher prise. Ok, d'accord, mais ce n'est pas toujours évident de lâcher prise. Pas du tout. Il faut pas mal de choses pour pouvoir lâcher prise. Ce n'est pas aussi évident. Et à force de nous le dire, on a l'impression que c'est difficile. On a déjà une pression. Voilà, exactement. Donc, il faut apprendre aussi à lâcher prise et tout ça. Oui, il faut apprendre à faire une relaxation. Donc, on travaille sur ça à chaque dans la thérapie. Et puis, il y a la respiration aussi. Les exercices de respiration. Même si je crois que la méditation n'est pas très... Voilà. Quand vous parlez de méditation à un patient, il peut vous regarder de façon assez bizarre parce que ce n'est pas forcément dans les mœurs. Oui. Mais ça fait partie de l'accompagnement des patients qui ont des troubles du sommeil. D'accord. Et quels sont les effets des somnifères à long terme? Parce que quand on nous prescrit des somnifères, je pense que c'est pour une certaine période, pour pouvoir reprendre une habitude, pour reprendre son sommeil et pour une certaine période, parce qu'il y a une thérapie qui est à côté, qui va prendre ensuite le pas sur les somnifères et on devra arrêter les somnifères. Mais si on prend des somnifères à long terme, quelles sont les répercussions sur la santé? Est-ce qu'on pourra plus s'en passer à un certain moment? Ou est-ce que ça ne fera plus effet? À un moment, oui. Vous avez un phénomène d'addiction qui peut s'installer. Oui. Et l'addiction peut être beaucoup plus grave à prendre en charge que les troubles du sommeil à proprement dit. C'est pour ça qu'avant d'aller vers les somnifères, il faut vraiment passer par des étapes intermédiaires. La consultation psychologique, les thérapies cognitives et les thérapies alternatives non médicamenteuses pour ensuite prescrire des somnifères, mais C'est la dernière solution. Il vaut mieux que ce sera la dernière solution pour... Faire une activité sportive. On parle souvent de faire du sport et c'est à la mode de faire du sport, de prendre soin de soi, de bien manger et tout ça. Donc, faire du sport, parce qu'aussi pour les enfants, on se dit souvent, je vais le faire sortir, ils vont courir un bon coup, ils vont bien s'amuser, se dépenser et ce soir, ils tomberont comme des mouches. C'est pas forcément le cas. Ça va pas rassurer les parents. D'expérience, je peux vous dire que c'est pas forcément le cas. En fait, il y a des écoles, il y en a qui... Mais très souvent, la pratique de l'activité sportive, je n'aurai de cesse à le dire, est toujours, toujours bénéfique pour l'individu, pour l'organisme. Vous allez toujours gagner au change à faire une activité physique, ne serait-ce que par rapport à la réduction du poids, qui est un facteur important dans les pathologies du sommeil, dans l'apnée du sommeil. Cependant, il y a certaines écoles qui disent, allez faire une activité physique une heure avant de dormir ne va pas forcément stimuler votre endormissement. Donc l'activité physique, oui, mais pas à 8 heures du soir quand on veut avoir une bonne nuit de sommeil. C'est pas possible, vaut mieux laisser ça le matin. Le matin, pour bien se réveiller. Ou en après-midi. Ou l'après-midi aussi. Pour bien dégager l'énergie. Vous parlez d'après-midi, ça me fait penser à quelque chose que beaucoup de personnes apprécient et que les enfants en font. Jusqu'à un certain âge, ils le détestent. Enfin, les enfants détestent faire cette activité quand ils sont petits, mais une fois adultes, on se dit « Oh, j'aurais bien aimé refaire la petite sieste de l'après-midi. » Oui, une petite sieste. Voilà, une petite pas une grande sieste. Voilà, pas une grande sieste. Nous avons d'abord un appel. Nous avons Sofiane qui nous appelle de El Naba. Bonjour, Sofiane. Bonjour, madame. Bonjour, oui. Madame, voilà, moi j'habite à Québec, Canada, et je suis venu en Algérie pour des vacances et j'avais pas de dormir là, pour essayer de régler le trouble de sommeil. D'accord. Donc c'est le voyage qui a fait que vous avez un décalage, donc du coup vous avez du mal à dormir ces derniers temps, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Et vous voulez des solutions? Oui. Oui, on va essayer de voir tout ça avec nos spécialistes. D'accord.
Bah, écoutez, c'est un petit peu normal parce que on voit bien qu'il y a une modification de l'architecture du cycle du sommeil normal chez cet individu à cause du décalage horaire. Il est 11 mois durant, donc il suit un rythme bien particulier avec des horaires bien particuliers, donc son cerveau est adapté à ces horaires-là. Mmh. Et du fait du décalage horaire, il se retrouve obligé à modifier cette architecture du sommeil. D'accord. Et c'est ça qui entraîne ce petit dérèglement du sommeil. Donc des solutions, c'est vraiment peut-être dans la phytothérapie ou alors s'adapter à ce rythme. Mmh. En général, je ne sais pas, mais quand c'est des voyages de courte durée, tout rentre dans l'ordre lors du retour au pays d'origine. Au pays d'origine, oui. Même l'environnement, il joue un rôle. C'est ce que j'allais vous poser. Ouais. Parce que pour beaucoup de personnes, dormir dans son lit puis dormir chez quelqu'un d'autre, c'est pas la même chose. Quand on dort dans notre lit, on est plus rassuré, on a nos habitudes et tout. Parfois, ça, changer de coussin vous empêche d'avoir une nuit de sommeil correcte. Hein. Exactement. Donc c'est vraiment cette histoire de rituel et d'automatisme qu'on va mettre en place pour avoir une nuit agréable. Quand on fait le voyage, il y a tout qui change. Tout l'environnement qui change. Les personnes, la place, tout. Donc, alors, faut-il peut-être ne pas dormir un certain moment pour essayer de... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, bon, je ne vais pas à l'arrivée du voyage, soit faire une sieste pour pouvoir récupérer, soit se priver de sommeil pour dormir d'un coup plus tard. Entre les deux, on ne sait pas forcément quoi choisir. Il faut s'adapter avec l'environnement où il est. Moi, je pense que, comme vous le dites si bien, moi, je pense que, comme on l'a dit, la mélatonine est sécrétée quand il y a une diminution de la luminosité, l'obscurité. Donc, si vous voulez avoir une bonne sécrétion de mélatonine, aider l'endormissement, donc vaut mieux ne pas dormir, pas perturber tout ça et s'adapter au rythme diurne, nocturne du pays où vous êtes. Très bien. Alors aujourd'hui, nous parlons de sommeil. Donc si vous avez des problèmes de sommeil ou si vous voulez tout simplement témoigner, n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et avant cet appel à en parler, on allait parler de la sieste. Oui. Et vous avez dit petite sieste. Petite sieste de 30 minutes, pas de 2 heures. Bon, personnellement, 30 minutes, j'ai du mal, mais bon. C'est quand même beaucoup, 30 minutes. Oui, hein. Oui, c'est le maximum. Voilà, le maximum, c'est 30 minutes, mais on peut faire des micro-siestes aussi. Oui, c'est énorme. D'accord. Et en fait, il y a des études qui se sont attardées à justement analyser ces siestes, et il y a notamment à l'étranger, vous avez le Japon, qui est une société assez productive et qui est assez exigeante, a mis en place la micro-sieste au niveau du lieu du travail. Et ils ont observé qu'il y avait une amélioration du rendement des gens qui travaillaient et qui faisaient leur petite sieste. Nous avons un appel, nous avons Abdelrahim de Annaba. Bonjour Abdelrahim. Bonjour. Oui. S'il vous plaît, moi j'ai un trouble de sommeil depuis presque 10 années. D'accord. Et donc, c'est quoi au juste? Vous faites des insomnies ou... C'est-à-dire, vraiment, je suis choqué parce qu'il y a le décès de ma femme. Après le décès, donc il y a un trouble de sommeil qui s'est installé. Plusieurs dans la nuit, je ne dors pas à partir de 22h jusqu'à 6h du matin. D'accord. Donc c'est une insomnie, c'est tous les jours comme ça? Chaque jour. Hein. D'accord. Mm-hmm. Et vous faites des siestes pendant la journée? Vous essayez de récupérer un petit peu? Non, je ne fais pas ni de sieste, ni je dors jusqu'à 20h, 21h. Je prends ma place, mais après, le sommeil qui va... est perturbé. Vous avez pensé à consulter? Je n'ai pas vu de médecin. D'accord. Je suis avec tellement trop de médicaments aussi. Je prends trop de médicaments. Vous avez des maladies chroniques. Chroniques, voilà. Voilà, d'accord. Très bien. Nous allons essayer de répondre à votre témoignage, à votre question. Merci Abdelrahman de nous avoir appelé. Merci encore.
Et j'espère qu'on trouvera une solution, enfin que vous trouverez une solution justement par rapport à cette insomnie. Oui. Donc, comme on l'a dit, un événement peut justement bouleverser notre sommeil. Voilà. C'est un trauma et c'est, le deuil n'est pas encore fait. Donc, automatiquement, le sommeil est perturbé. Le sommeil est perturbé, bien sûr. Voilà. C'est pas toujours évident de perdre son conjoint, sa femme. Donc, toutes les habitudes changent. Toute sa vie. Toute la vie change. D'où l'intérêt de l'accompagnement. Voilà. Moi, ce que je pourrais conseiller à l'auditeur, vraiment, c'est vraiment de consulter un spécialiste, un médecin généraliste même, qui pourra l'orienter potentiellement. Ça peut être effectivement une insomnie chronique, mais attention, il a aussi parlé de pathologies. Il a dit qu'il prenait beaucoup de médicaments par rapport à des pathologies chroniques. Donc là aussi, il faudrait creuser et voir s'il n'y a pas plus que de juste de l'insomnie chronique, aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui intervient dans la la pérennisation de ces maladies chroniques, notamment l'apnée du sommeil. Est-ce que l'insomnie est commencée juste après la mort ou il y avait déjà l'insomnie? Donc, il dit plutôt que c'est depuis le décès de sa femme, choc émotionnel, donc automatiquement. Donc la meilleure solution, ce serait de consulter un spécialiste qui peut l'aider. De se faire entourer, en fait, de se faire aider. Voilà. D'accord, très bien. Donc, on parlait de la sieste avant cet appel, encore une fois. Non, je rappelle le numéro de téléphone, donc si vous voulez nous poser des questions, on parle du sommeil aujourd'hui, donc si vous voulez nous poser des questions, témoignez, est-ce que vous êtes un petit, un grand dormeur, est-ce que vous faites des insomnies, ou est-ce que vous dormez comme un bébé, ça veut dire que vous ne dormez pas beaucoup parce que l'expression n'est pas forcément juste. Donc n'hésitez pas à nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et la sieste, j'espère qu'on pourra en placer une avant d'avoir notre appel. Donc la sieste, une courte sieste, et c'est important de le faire. Elle est importante pour récupérer l'énergie qu'on a dépensée le matin, surtout pour les gens qui se lèvent tôt. Voilà, surtout. Exactement. Donc une courte sieste. Et quand on dépasse ça peut être délétère. Vous savez, on parle beaucoup on a parlé des fameuses 7h-38h de sommeil nécessaire, mais sachez que certaines études ont montré que chez les gros dormeurs, les grands dormeurs, eh bien, il y avait une fréquence de maladies cardiovasculaires qui était plus importante que chez les autres. Donc, beaucoup dormir ne veut pas dire avoir un sommeil de qualité. Le tout, c'est vraiment d'avoir un sommeil de qualité. Très bien. Nous avons notre appel. Nous avons Zohra qui nous appelle de Blida. Bonjour Zohra. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Alhamdoulilah. Je peux parler en arabe? Oui, bien sûr. D'accord. D'accord. D'accord, les palpitations. Ou tu regardes bakri ou la? Non. Tu regardes bakri. Mais non, je suis bakri. D'accord, à quel âge d'accord? Le 11, l'âge. Oui, le 11. Mais je suis déjà bien dormi. D'accord. Ou hadou ça fait قلتي شهرين à peu près, mais là que tu fatni à 2 3 تاع الصباح. D'accord. Tu regardes ou la? Ma n'arf, là je crois parce que je dors toute seule, mais je sais pas. Et le matin vous vous levez fatigué ou pas? C'est notre fatigue, notre dikhana, des fatigue بطنيه. Donc c'est une somnolence diurne. D'accord. Ou la journée là qui gagne de fatigué. Fatigué, toujours allongé. Fatigué. Est-ce que très bien. Par rapport aux palpitations, est-ce que vous avez des problèmes d'hypertension ou autre? Andek la tension, là. La tension, andek. D'accord. Très bien. D'accord, très bien. Merci Zohra pour votre appel. Donc les spécialistes répondent. Merci pour votre appel. Les spécialistes vont vous répondre tout de suite. Donc c'est. Alors, au risque de me répéter encore une fois, je dirais que quand on a des symptômes de ce type-là, parce qu'il y a une somnolence diurne qui est évidente, il y a des symptômes, il y a un dérèglement du sommeil pendant la nuit qui est évident,
Et puis aussi, il y a une pathologie respiratoire chronique. Elle a cette histoire d'asthme qui est associée à tout ça. Donc, elle a énormément d'éléments qui font qu'on pourrait suspecter un syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Donc, c'est une patiente chez qui je ne peux que conseiller d'aller consulter un spécialiste. Et pourquoi pas? Donc, déjà, le score de, son score de somnolence, il est important puisqu'elle vous dit qu'elle elle fait des petits endormissements pendant la journée. Voilà, exactement. Si j'ai bien compris. Donc, le score de somnolence, il y a un score d'Epworth qui est le score de somnolence qui est quand même assez conséquent. Donc c'est une patiente qui doit bénéficier d'une consultation spécialisée et d'un enregistrement du sommeil. D'accord. Et chez quel spécialiste doit-elle se diriger? Alors, chez un spécialiste qui a été formé pour le sommeil, très souvent, parce qu'il y a un retentissement sur la fonction respiratoire et qu'il y a une désaturation en oxygène, c'est souvent le pneumologue. D'accord. Mais un généraliste bien formé pour la prise en charge du sommeil peut déjà constituer le premier consultant, le premier aidant. Lui, s'il est dépassé, en référera à un autre spécialiste. Il faut savoir aussi que les internistes s'intéressent à l'apnée du sommeil. Les cardiologues, parce que ça entraîne, comme elle l'a dit, des palpitations, des troubles du rythme, des insuffisances coronaires. Donc ça peut entrer, donc peut être un médecin à qui on demande de faire une consultation spécialisée du sommeil. Les ORL aussi, puisqu'on a dit qu'il y avait une modification au niveau des voies aériennes supérieures de la sphère ORL, peuvent s'occuper de la pathologie. Mais quelle que soit la spécialité, même dans cette spécialité-là, il faut que le praticien soit formé à la prise en charge des pathologies du sommeil. Nous avons un autre appel. Nous avons Samia qui nous appelle d'Aura. Bonjour Samia. Allô? Salut. Oui. Oui. Alors, oui, vous voulez nous parler, vous voulez témoigner ou nous poser une question? Vous avez des problèmes de sommeil? Oui, un des problèmes du sommeil. D'accord, je ne vois. Un des problèmes. D'accord. الو ترقدي كي ترقدي 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 بكري ولا ما ترقديش بكري؟ لا ما نرقدش بكري والنوض بكري في زغيدمي. داكور دونك ما ترقديش حتى الوحدة تاع الصباح وما ديك على الوحدة تعاودي تفطني على 7 تاع الصباح. فوالا بصح في الوسط تفطني ولا ما تفطنيش بين الوحدة والسبعة؟ لا نفطن تفطني بلوزيغ فوا. اسكو نو ريفي اسكو تنوضي عيانة؟ النوض عيانة شوية. داكور. ديجا عندي مرضي تاع الكواك. داكور. ايه واش عندك قالعتها داير العمليه تاعها قالع الكوار ايه القلب لا القلب لا نشرب دواء تاع الكواتر مور ما نحتها اسكو عندك دواء تاع الكواتر نشربه داكور دونك او فلا جورني اسكو ديري لا سيست ولا لا اسكو تكوني عيانه ما نديش لا سيست نو وتكوني عيانه فلا جورني خطرات شنايا نرقد شويه بصح ما ماشي حاسه زعما غير هكا حاسه التامين اللي تولت تديني عيني. داكو هادي في لا جورني. اسكو من بكري وانت هكذايا هذا هو الريتم تاعك اللي ترقدي به ولا اسكو هادي حاجه جديده مثلا كي كبرتي في العمار ولا اسكو سي نوفو اسكو ولا كيفاش تقولي انت؟ حاجه جديده. نو سي نوفو. وا. D'accord, très bien. Là, قديمه قديمه. Ah, mais بكري هكذا. من بكري. D'accord. Merci Samia de nous avoir appelé Dora. يعطيك الصحه. يسلمك صح. Donc c'est son profil qui est. Alors ça dépend. Moi je dirais que avant de dire que effectivement peut-être que c'est elle dort 6 heures par jour, avant de dire que c'est une patiente qui dort un peu moins que la moyenne des individus, je préférerais quand même qu'elle fasse une consultation spécialisée pour qu'on aille un petit peu en profondeur avant de, donc d'éliminer un problème organique et de dire non mais c'est peut-être votre profil et vous êtes il vous faut 6 heures pour récupérer. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois qu'il y a une plainte de la part du patient, donc la consultation doit être systématique. Ouais. Et c'est en cherchant qu'on peut diagnostiquer. Le problème des pathologies du sommeil, donc c'est un symptôme qui est extrêmement fréquent chez les médecins généralistes. C'est un symptôme pour lequel le médecin doit être formé, sinon il peut passer à côté d'un diagnostic. Ouais. Et c'est un symptôme qui... avant de parler de normalité, il faut d'abord éliminer un problème organique ou psychologique. Hein. Exactement. Et justement, ce qui perturbe aussi le sommeil, notre sommeil aujourd'hui, c'est la nouvelle technologie, tout ce qui est écran, tablette, téléphone, téléviseur et tout ça. C'est les rayons bleus. Voilà, exactement. Donc c'est ça.
ils ont un effet second, c'est un effet très dangereux sur le cerveau. Donc, psychostimulant. Donc, oui. Elle peut pas, donc on peut pas dormir. Oh, d'accord. Une minute, nous avons un appel. D'accord. Non, nous avons Belkacem qui nous appelle de Suisse. Bonjour Belkacem. Matakhi, bonjour. Voilà, je veux juste intervenir. Oui. Je suis moi-même porteur de CPAP, donc l'appareil pour respirer la nuit. Oui. Bon, j'ai pas mal de comorbidités, mais c'est pas là l'essentiel. C'est que pour cette apnée du sommeil, il y a des ressentissements personnels, hein, où il a un AVC ou des problèmes cardiaques, oui. Hypertension artérielle, mais il y a l'autre aspect, c'est la prévention, surtout pour les personnes qui sont autour ou dans la vie sociale de tous les jours. Par exemple, quelqu'un qui souffre de l'apnée, s'il prend sa voiture, il aura des difficultés. Donc avec cette fatigue, avec le manque de vigilance, manque de concentration, et ainsi de suite. Et donc, je pense, moi personnellement, qu'il faut axer sur cet aspect-là social. Oui, exactement, oui. Oui. Voilà. L'autre question, vous parlez des siestes à l'instant même. Nous, ici, il y a des recommandations, genre des petites affiches sur les endroits publics ou dans des cliniques pour les turbo-siestes. Les turbo-siestes C'est-à-dire, oui. On appelle ça turbo-sieste. Oui. Et puis, pour pouvoir récupérer sa forme et puis éventuellement continuer son travail, soit dans le... Recharger les batteries. Ou éventuellement reprendre sa voiture. D'accord. Alors, voilà, ces turbo-siestes, qu'est-ce qu'on vous préconise justement de faire une courte sieste alors, pendant la journée? Alors, c'est un quart d'heure. D'accord, c'est un quart d'heure. Voilà. C'est-à-dire un endroit à part, calme voilà. Et puis on se détend. Si on arrive à s'endormir pendant un quart d'heure, c'est bon. Mais sinon, bon, on reprend l'activité. Bah, très bien. Merci, Belkacem. Voilà. Merci pour votre appel. Mais je vous remercie beaucoup pour votre émission, mais vraiment bravo, merci. Bravo, et continuez comme ça. Merci beaucoup. Merci, Belkacem. Merci, au revoir. Au revoir. Moi, je trouve que c'est une excellente réflexion. La prise en charge de l'apnée du sommeil, on en parle parce que c'est une pathologie fréquente, c'est une prise en charge du patient et de son entourage. Et je n'aurai jamais de cesse, pour les pathologies chroniques, je n'aurai jamais de cesse de parler de l'éducation thérapeutique. Mmh. Il faut expliquer au patient sa maladie. Il faut expliquer, vous savez, il a parlé de CPAP, donc quand vous mettez un appareil sur le visage d'un individu qu'il est obligé de dormir avec, il faut lui expliquer le bien fondé de la chose. Mmh. Quel est l'intérêt de cet appareil? C'est aussi un appareil qui parfois, surtout avant, est peut-être un petit peu bruyant. Donc il peut gêner le conjoint. Donc expliquer la pathologie, l'intérêt des traitements, le risque en cas d'absence du traitement, c'est des éléments très importants. C'est tout comme la psychothérapie. L'éducation thérapeutique, elle est primordiale pour le patient, mais aussi pour son entourage. Donc ça, c'était par rapport à la première réflexion. Par rapport à la deuxième réflexion, j'ai vraiment envie de dire, vraiment dans la caricature, j'ai vraiment envie de dire que la sieste devrait être remboursée par la sécurité sociale. Hein. Donc voilà. Oui, on devrait tous se mettre à faire une petite sieste, une micro-sieste. Une micro-sieste. Hein. Voilà, 5-10 minutes, un quart d'heure, comme l'a dit. Oui. Après, je crois qu'on a un dernier appel. Nous avons Farida qui nous appelle d'Alger. Bon, aujourd'hui, on a eu beaucoup d'appels. Bonjour Farida. Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, félicitations pour cette émission. Merci. Je vous félicite. Merci. Voilà, je suis insomniaque depuis 50 ans. D'accord. Comment que ça se passe? Vous avez du mal à vous endormir ou vous vous réveillez la nuit? Ben, j'ai du mal à m'endormir. Je ne dors pas avant minuit 30. D'accord. Je me réveille 5h30 du matin. D'accord. Ça a toujours été comme ça. C'est depuis que j'ai quand même un âge avancé. Hein. D'accord. Et pendant la journée, vous êtes fatiguée? Oh oui, alors. Oui, je suis tous les jours, je me lève fatiguée. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres maladies?
Oui, j'ai une maladie chronique. D'accord. J'ai d'accord. Le goitre, j'ai... Attendez, l'hypertension. Hypertendue. Oui. Est-ce que vous faites des siestes, par exemple, l'après-midi, où vous ressentez l'envie de faire une sieste, le besoin? Parfois, j'ai des siestes reposantes. D'accord. Mais c'est pas tous les jours. D'accord. Merci Farida pour votre témoignage. On va essayer de vous répondre tout de suite. Restez en face de votre écran, on vous répond tout de suite. Merci beaucoup Farida pour votre appel. Merci. Donc c'est un petit peu la même histoire que le témoignage de notre autre auditrice. Là aussi, c'est dans la durée du sommeil. Elle en souffre quand même depuis un certain nombre d'années. Et je pense que la meilleure chose, là aussi, c'est de consulter et d'aller chercher vraiment en profondeur, parce que peut-être qu'on pourrait découvrir une pathologie du sommeil qui fait que cette pathologie du sommeil aggrave son hypertension artérielle. Et que traiter cette pathologie du sommeil pourrait avoir un effet extrêmement bénéfique sur les comorbidités, les maladies chroniques associées. D'accord. Voilà. Très bien. Un dernier conseil aux téléspectateurs? Alors, faire particulièrement attention aux pathologies du sommeil, notamment pour certains métiers. Vous avez les conducteurs des engins, tout engin confondu, des moyens de transport. C'est des patients chez qui le moindre petit signe d'alarme doit emmener à une consultation systématique. Parce que il y a la mise en danger de soi, mais il y a aussi la mise en danger de son entourage. Très bien. Voilà. Donc, il faut consulter, il faut voir un spécialiste bien précis pour ne pas passer à côté de quelque chose. Oui. Pour voir qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a des insomnies. Donc, c'est ça, il faut consulter, il ne faut pas laisser ça... Exactement. Il est important de dormir, c'est pas une perte de temps. Faites des siestes si vous le pouvez. Vous pouvez prendre 5 minutes même au bureau. Ça, je pense que c'est toujours possible. Ça peut faire l'affaire. 5 minutes. Voilà. Et pratiquer le turbo sommeil comme nous l'a dit. Comment il s'appelle, Brassem de Suisse. Oui. Merci, docteur Fatma Zohra Lalami. Vous êtes pneumologue. Merci pour votre participation. Merci à vous. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé, bien sûr. Merci, madame Kenza Benbrahim. Vous êtes psychologue. Merci pour votre participation. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Et bien, tout de suite, nous passons à la partie rubrique de Wahida Selim Chérif, juste après ceci. نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العلي ورب العالمين يعي على مكيلالي وجبالك حرين قسما بالله العلي ورب العالمين يعي على مكيلالي وجبالك حرين يعي على مكيلالي يا أرض صلاح الدين شرقي وغربي كلنا في دار نتكلم صميم قلبي لا تأخر أبدا نعهدك بربي يا حربي ودم الشهداء للفتح وطني وشعبي هما المسببين تحيا فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي ورب العالمين يعني على مكيلالي وجبالك حرين قسما بالله العالي ورب العالمين يعني على مكيلالي يا يعلى من كلالي يا أرض صلاح الدين فلسطين تورية سلاح والإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان احنا هما اصحاب التاريخ
تضحية ما نخاف عديان في سبيل الله والحرية احنا المجاهدين De retour sur le plateau de Ma Famille, Ma Vie et Wahida Salmchif. Et là, bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Tranquille, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et aujourd'hui, dans Wichel, tu nous parles. On va faire une très très belle découverte aujourd'hui. Exactement, mais ce sera après le jingle, bien sûr. Tu vas nous parler d'une personne, c'est cela ? D'une héroïne. D'une femme, exactement. Oui. Alors Mounia, depuis toujours, on nous parle des super-héros qu'on voit à la télévision, des animés, bandes dessinées. On est toujours passionnés. On est, à chaque fois quand on les voit, on est fascinés par leur pouvoir, leur... Exactement. Ils ont des pouvoirs justement surnaturels qui arrêtent le mal, qui sauvent des gens. Mmh. Et puis un jour, en grandissant, on va découvrir ça, on va voir ça dans la réalité. Mmh. Je suis sûre que tout le monde a regardé cette vidéo qu'on va partager là tout de suite. Mmh. Samedi, elle a fait le tour de la planète, le tour de la toile, et tout le monde a parlé de cette super héroïne. On va la découvrir ensemble. Donc là, on a des photos. Il y a eu une centaine de caricatures où on a essayé de dessiner la super héroïne palestinienne. Mmh. Donc, il s'agit... Alors, c'est une femme palestinienne et qui accompagne. Voilà, et elle est docteur. D'abord, elle est docteur. Et en fait, elle était prof en médecine au Caire. Et depuis le début des attaques, donc au mois d'octobre, elle s'est dit, il faut que je parte, il faut que j'aide les Palestiniens. Donc, elle est partie à Gaza. Elle est d'origine palestinienne, c'est ce qu'il faut savoir, elle est d'origine de Gaza. Donc, elle a rejoint la bande de Gaza pour pouvoir aider les Gazaouis. Donc voilà, on a vu la photo justement, donc, parce qu'on se dit, en voyant la vidéo, elle est loin, donc on ne l'identifie pas, on a du mal à identifier la personne. Mm-hmm. Mais elle a commis un acte, voilà, elle est là, donc on a essayé de la retrouver avec tout, avec la technologie, donc on a réussi à identifier la personne. En la voyant, on se dit, elle est gentille, elle est toute belle, adorable, mais est-ce qu'un jour elle peut se transformer en héroïne? Oui. Je ne sais pas si on a la vidéo qui est prête, parce que j'aimerais vraiment la partager avec vous. En fait, ça va être prêt dans quelques minutes. Voilà, parce qu'en parlant, même si je raconte comment ça s'est passé, on ne va jamais pouvoir le deviner. C'est très simple. Comprendre ce qui s'est passé, c'est que samedi, il y a eu de très, très fortes attaques, comme les autres jours, bien sûr, comme mais samedi aussi. Un peu plus. Mmh. Voilà, ils ont attaqué. Voilà, c'est elle la vidéo, là. Je pense, oui. وحوش اهدى علي بس ما ترجعوا محمد يا رب Voilà, elle brave le danger. Exactement, vous avez entendu la pluie, des tirs, il y avait des snipers qui étaient en train de viser. C'était à côté de l'hôpital, c'est ce qu'il faut savoir, parce qu'elle, elle était à l'intérieur de l'hôpital. Il y avait une victime, un blessé juste en face d'elle. Bien sûr, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était la première à aller le chercher, elle ne voulait pas le laisser dans son coin blessé, parce qu'elle savait s'il perd beaucoup de sang, donc il va finir par mourir, parce qu'après, on voit le jeune avec plein de sang et tout. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été la première à aller à braver les interdits, le danger. Il faut savoir qu'elle a été ciblée. Donc, vraiment, comme on dit chez nous, c'est un Donc, elle a été cherchée. Donc... Et puis, on voit les hommes, ils étaient un peu hésitants. Ils ne sont pas partis avant elle. Elle a enlevé sa veste, elle est partie au courant. Et puis, les autres secouristes sont partis l'aider pour transporter la victime. Depuis samedi, c'est tout le monde qui parle d'elle. Toutes les nationalités. Alors, on a parlé d'elle dans toutes les langues. C'est une héroïne. Tout le monde conseille tout le monde de parler de cette brave femme à ses enfants, parce qu'il faut savoir que parfois les personnes, les héros comme on a l'habitude de les voir dans des dessins animés, des films, existent dans la réalité. Et les héros, c'est les personnes qui aident autrui, qui sont là pour aider et rendre justice quand ils le peuvent. Voilà. Voilà, et son pouvoir magique, c'est son courage et le fait de défier tout ça. Tous les dangers. Exactement. Et puis elle est là, elle a répondu présente lorsque la Palestine avait besoin d'elle, elle s'est dit « je suis médecin, je vais pouvoir les aider ». Voilà. D'accord. Très 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 beau portrait, très belle personne qu'on a découvert aujourd'hui avec toi. On se retrouve demain. Inch'Allah, avec plaisir. On se retrouve demain aussi pour une autre émission, Ma Famille, Ma Vie. Comme vous le savez, c'est toujours en direct. C'est sur Canal Algérie. Vous nous avez beaucoup appelé aujourd'hui. C'était très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir appelé. N'hésitez pas à le faire aussi demain. Le téléphone est toujours ouvert pour vous poser vos questions, pour témoigner, pour essayer de vous donner des réponses, vous rassurer, vous sensibiliser.
c'est le rôle de votre émission Ma Famille, Ma Vie. On est là du lundi au mercredi en direct, bien sûr de 10h30 à 11h30 sur Canal Algérie. Très bonne journée en tout cas à vous avec le reste des programmes de votre chaîne préférée, je l'espère, Canal Algérie. Et on se retrouve demain. Au revoir.